En Occident médiéval, le mot chambre, quand il s'agit d'une demeure aristocratique, signifie une pièce de repos entièrement tendue d'étoffe. Ce luxe paraît emprunté aux pays islamiques, où le mobilier est essentiellement d'origine textile. Il semble s'être développé en Europe à l'époque des croisades, avec de nombreuses références aux tissus proches orientaux et à l'art de vivre des Arabes. Une remarquable illustration de ce point de contact entre les cultures nous est donnée par une fresque de l'église supérieure d'Assise en Ombrie, peinte vers 1300 par l'atelier de Giotto. Elle a pour sujet Saint François, apparaissant en songe au pape Grégoire IX. La chambre de l'évêque de Rome a été traitée comme la tente d'un prince d'Orient. Son lit est protégé par un baldaquin, un mot d'origine italienne signifiant une étoffe de soie de Bagdad. Et les murs de la chambre sont recouverts d'une tenture à bordure koufique, répétant un mot qui pourrait être dérivé du mot Allah. Cette pseudo-écriture n'est pas forcément perçue comme arabe, mais comme une écriture orientale ou hébraïque venue du pays du Christ. Pour représenter ces tissus d'ameublement, les peintres de l'Ombrie ont pris pour modèle d'authentiques étoffes espagnoles issues des ateliers musulmans ou moudéjars de la péninsule ibérique, ou encore des étoffes de l'Italie du Sud où l'influence orientale reste bien marquée. On rapprochera la tenture de la chambre papale d'une soierie ayant servi de linceul à Don Felipe, mort en 1274, et qui était le frère du roi Alphonse X le Sage. On la rapprochera encore d'un morceau de soierie, sans doute d'origine sicilienne, qui présente elle aussi la même construction en croix et en cartouche à huit pointes, si ce n'est que ses étoiles abritent un aigle héraldique. Toutes ces tentures destinées à orner les murs ont elles-mêmes des correspondances avec les décors d'architecture conçus en terre d'islam. La construction en étoiles et en croix dont elles sont parées se retrouve fréquemment dans les revêtements de céramique, que ce soit au Maghreb, puisqu'on la relève en Algérie dès la seconde moitié du XIe siècle dans la Kala des Banu Hamad, et plus encore au Proche-Orient, où elle règne dans les panneaux décoratifs élaborés par les Seljoukides d'Anatolie deux siècles plus tard. En Sicile, c'est ce type de réseau qui est utilisé dans le plafond en marqueterie de la chapelle palatine de Palerme, réalisé sous le roi normand Roger II vers 1140. Ces interférences entre textiles orientaux et décors d'architecture se sont propagées dans l'art gothique. On a souvent signalé que les deux panneaux sculptés de la Porte Rouge sur la face nord de la cathédrale de Paris reproduisaient une ancienne soierie byzantine. Quant au tissu musulman paré d'un jeu d'étoiles et de croix, tel qu'il figure dans la fresque d'Assise, il se retrouve dans des bas-reliefs, des pavements ou des boiseries gothiques. Par exemple, dans les cathédrales de Dijon ou de Rouen, sur des linteaux en bois peint, exécutés à la fin du XIIIe siècle. Ainsi, les riches étoffes musulmanes ont très souvent servi de médium à la circulation des thèmes. Elles ont participé à l'élaboration de ce gothique oriental, qui sera longtemps à la mode dans les décors musulmans et chrétiens de la Méditerranée.